The bell breaks and I will fall. The ground shakes, the wind will shiver off. The world returns the same place without change. I will do the same and get out of your strain. Whoa. I can't forgive myself. Can't bottle up my memories. If only time will tell the truth and stop explaining. Imagine si j'étais pas assuré. Ton youtubeur préféré serait mort aujourd'hui. Donc là j'aimerais juste souligner la différence entre quand je suis en prise de masse et quand je suis en rééquilibrage alimentaire. Au niveau de ma force, tu sais, avant en prise de masse, j'étais moins capable de bouger la barre des 140. Putain. Hop. Fuck. Mais là genre, j'ai pas pu la bouger, genre, je sentais que j'avais pas l'énergie pour rien faire en fait. Salut tout le monde, donc là aujourd'hui, d'habitude tu vois je suis d'humeur, mais là je suis dans une motivation, tu peux même pas t'imaginer. Bon, je commence. Donc aujourd'hui, je suis content, pourquoi? Parce que je vais pouvoir enfin changer de voiture, tu vois ma C2, je vais aller dans le doux, je vais la plonger dedans mec. Et donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de vaincre une peur qui est en moi. Qui est, ben, je suis quelqu'un d'assez introverti quand je ne connais pas des gens. C'est-à-dire que je suis timide devant les gens. Mais j'ai décidé de faire quelque chose aujourd'hui, c'était de vaincre ce problème-là pour vous montrer que quand on a un problème, ben, vaut mieux pas se reposer sur ce problème, faut le corriger. Donc, tu vois, quand je me filme, t'as jamais remarqué, il n'y a jamais personne autour de moi parce que voilà, je suis un peu gêné. Là, j'ai allé au magasin, puis tu sais, quand t'es youtubeur, vidéaste, en plus, quand t'es coach sportif, tu te dois d'être motivant, d'être marrant, de faire rire et de parler fort. Et là, je vais devoir le faire devant plein de gens, tu vois. Donc là, ça va être gênant comme pas possible, mais je dois le faire, je dois le faire. Et là, je fais comme si la caméra, je parlais à mon meilleur ami. Donc toi là, qui me regardes à l'heure actuelle, tu es mon meilleur ami jusqu'à la fin de cette vidéo. En même temps, j'ai envie de dire, c'est normal que ça soit gênant, parce que quand tu vois quelqu'un, même moi, si moi, extérieurement, je verrais quelqu'un en train de parler à une caméra et d'être excité et de montrer des gestes, tout ça, je me dirais... Il fait quoi lui, tu vois? C'est pour ça que je suis gêné, c'est pour ça. Bon là c'est encore trop facile, il y a personne. Donc je vais aller directement au magasin, comme ça j'arrête de faire malin. On voit tout de suite comment je vais me comporter devant les gens. Bon, il n'y a pas grand monde, j'ai de la chance. Donc ouais, comme je dis, je suis en rééquilibrage alimentaire. Donc là je suis en train d'acheter tout ce qu'il me faut pour mieux commencer. Donc là je vais vraiment rentrer un peu plus profondément dans la sèche. Pourquoi est-ce que je suis au rayon des toilettes? Je sais pas. En fait, là, je te le dis, je vais acheter plein de légumes, mais le truc, c'est que je ne sais pas faire à manger. Il n'y a pas de souci, je vais apprendre et je vais vous montrer ce que je mange en termes de légumes et tout ça, bien préparé, bien fait, avec du goût, tout ça. Tu vas bien? Ouais. Toujours dans la muscu? Ouais. T'es là quand cette semaine? Ça t'arrange que je vais le manger? Oh les gars, j'ai pas pu trop parler dans le magasin parce que j'ai été interpellé par un abonné. Et puis j'ai dû rentrer à pied avec tout ça sur moi. Du coup j'ai pas pu parler, tu vois. Je trouve pas des excuses, pas un gars comme ça. Mais la prochaine fois, je vais vous le faire, promis. On va voir ce que j'ai acheté. Voilà tout ce que j'ai acheté. Donc, si tu regardes bien tout ce que j'ai acheté aujourd'hui, je me suis beaucoup tourné sur les fruits et légumes. Et j'ai pris, ouais, pour mon petit déjeuner, j'ai pris des cookie crisps. Ouais, donc le matin, je me suis permis de prendre des cookie crisps avec une deuxième boîte de Kellogg's, même une troisième même. Alors ça, c'est des golden mini. Donc ouais, j'ai beau être en sèche ou en rééquilibrage alimentaire, c'est pas pour autant que je vais être hyper strict sur tous mes repas, parce que ça me fait pas plaisir. Moi, je veux me faire plaisir, je veux perdre du poids en étant content. Il suffit juste de calculer mes macros, d'être juste sur ce que je fais, et ça me permet de manger ce que je veux, même si c'est des Kellogg's, même si c'est sucré. Ça passe quand même, je perds quand même du bide. Donc voilà en résumé ce que j'ai acheté pour aujourd'hui. Donc il y a des champignons, des courgettes, des poireaux, salade, des pommes, comment on appelle ça? Des pommes comment? Des pommes Pink Ladies. Pink Ladies. Et j'ai aussi pris des Kellogg's. Donc alors, petite astuce si jamais. Y'a quelqu'un? Quand t'as une famille nombreuse, tu vois, quand t'achètes des Kellogg's ou des conneries, tu vois, tu les caches dans ta chambre. Même si c'est
des protéines en poudre, machin. Tu prends comme ça, tac. Tu regardes s'il n'y a personne. Tac. Tu caches dans ta chambre. Parce que sinon, je peux te jurer que tout ce qui est sucré, les personnes qui ne font pas du fitness, etc., avec le bouffe en scred. Bon, sinon, ouais, bon, des brocolis, tout ça, des fruits. Donc là, ouais, j'ai acheté aussi des nectarines. Ça, c'est tellement bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma collation. Je vais te montrer ce que je mange. Et ensuite, dans une heure, je vais aller m'entraîner. Je vais faire aujourd'hui... Aujourd'hui, je me sens bien pour faire le dos. Est-ce que tu as remarqué qu'au début de la vidéo, j'ai fait un drapeau tu sais, je me suis pendu à une barre. Bref, c'est ce que c'est un drapeau, je pense. Donc en fait, c'est juste pour annoncer que à partir de maintenant, donc là, c'est la dernière séance fitness que tu vas voir. C'est-à-dire que là, je vais plus aller en salle pendant 2 mois. Je vais me tourner sur du street workout. Donc là, je sais que je vais faire des contents. Et voilà, je vous l'annonce ici. Et puis donc ouais, je vais me tourner sur des tutos de street, donc s'entraîner dehors, sans matériel, tout ça, parce que de 1, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont passionnés par ça. De 2, j'aime le contrôle de, tu sais, le contrôle de son corps, quoi, le fait de savoir faire plein de trucs sans pour autant avoir besoin de poids, etc. Et puis voilà, donc à partir de lundi, je change toutes mes vidéos, tout sera tourné sur du street workout. Dernière séance en salle, les gars, donc là, c'est la dernière fois que vous verrez cette salle. Bon, comme je disais tout à l'heure, donc on va travailler sur le dos aujourd'hui et je vais faire que des exercices que je n'ai jamais fait. Donc là, sur mon iPad, j'ai une application qui va me montrer plein d'exercices de dos que je n'ai jamais fait, mais je vous les présente. Non, alors celui-là vraiment je le connaissais pas du tout, mais en tout cas au niveau du ressenti là je dois admettre qu'il est excellent. Quand t'as le dos hyper droit, tu sens tout là. Ah, ça t'explose tout. Parfait. Ça aussi il est cool, il est propre, tu sais, normalement tu le fais avec un halter. Au niveau du ressenti du dos sur celui-là, je dirais 7 aussi. L'autre, du coup, je mets 8 parce que l'autre était puissant. Celui-là, je mets 7. Voilà, ma séance dos est terminée. Là, je ressens bien mon dos. Tu sais, dans toutes mes vidéos, j'ai toujours dit que le dos c'était mon point faible. Et le truc, c'est que, en plus, je suis coach, tu vois, je suis censé savoir travailler mon dos et tout. Mais le truc, c'est que des fois, les êtres humains, les humains, on sait ce qui ne va pas. Mais on n'a pas directement le réflexe de savoir ce qu'il faut faire. Là par exemple, moi là j'ai varié mes exercices, j'ai utilisé 3 nouveaux exercices que je ne connaissais pas. Et là je ressens bien mon dos, tu vois, là je suis content. Avant de vous quitter, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que quelqu'un, donc on va prendre moi comme cas, est-ce que vous pensez qu'à 65 kg, je courrais plus vite que actuellement je suis à 79 kg? C'est une question très intéressante. À 65 kg, je faisais le 100 mètres en 11 secondes 5. À 79 kg, j'aimerais voir à quelle vitesse je cours. Mets-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Est-ce que tu penses que je vais être plus rapide aujourd'hui? Est-ce que tu penses que, vu que je suis lourd comme un porc, je vais courir et je vais ralentir par rapport à avant? Bref, c'est une question très intéressante, moi je le dis. Ensuite, bon, j'arrive à terme de ma vidéo comme d'habitude. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de laisser un pouce bleu juste en bas de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner sur mes réseaux Instagram, Snapchat, YouTube, bref, tous mes réseaux. Je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo qui sortira sans doute lundi. Peace!